Salut à tous, c'est Unmin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, vidéo importante. Aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir de ma chaîne et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires donc par rapport à ce que je vais dire. Donc, voilà, je vous invite à mettre un petit commentaire constructif, etc. Donc comme vous le savez, il y a l'article 13 qui va être voté, qui est en train d'être voté. Et du coup c'est vrai que cet article m'a aussi fait bouger, c'est-à-dire que m'a fait réfléchir aussi également, même si bon, cette vidéo devait quand même sortir, même si l'article 13 n'était pas, on va dire, en cours. Et c'est vrai que c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, j'en ai parlé à la team, à la salle, etc., Eden, manager, etc. Voilà, c'est un truc que j'en ai parlé par rapport à l'avenir de ma chaîne, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer du coup sur cette chaîne. Alors comme je vous ai dit, l'article 13... C'est pas l'article 13 qui m'a fait, on va dire, réfléchir. C'est juste un truc que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas diversifier cette chaîne. Enfin, voilà, je vais vous parler. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Et voilà. Donc, comme je vous dis, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, comme vous le savez, ma chaîne, bah, c'est une chaîne qui est exclusivement sur GTA. Voilà, c'est du GTA. En gros, c'est GTA, GTA et du GTA. C'est un truc que vous aimez bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé de faire du Fortnite, qui nous ont demandé de faire d'autres jeux, etc. Et bon, on va dire que on n'a pas, entre guillemets, suivi la tendance. C'est-à-dire, allez, on a vu que... Enfin, on va dire que Fortnite, allez, ça fait des vues, bah, tout le monde va se lancer dans Fortnite. Voilà, comme vous avez vu, la salle, il a fait une chaîne Fortnite. Sans pour autant qu'il a continué sa chaîne, bah, ouais, il n'y a plus de vidéos sur la chaîne Fortnite. Parce que voilà, si on prend pas plaisir à jouer à un jeu, enfin voilà, je vois pas pourquoi on continuerait. En tout cas voilà. Et du coup par rapport à GTA, bah, c'est un jeu qu'on aime bien, c'est un jeu qu'on fait depuis maintenant 3 ans, et qu'on aime et qu'on est toujours resté fidèle par rapport à ce jeu, et que vous aimez, parce que c'est un jeu, GTA c'est le best jeu, c'est le meilleur jeu. Et du coup voilà, j'ai réfléchi par rapport à ça, je me suis dit, est-ce que... je continue à faire que du GTA ou est-ce que de temps en temps, c'est-à-dire, alors je vous le dis, hein, vous inquiétez pas, il y aura du GTA tout le temps, c'est-à-dire il y aura, on va dire par exemple 7 jours sur 7, il y aura du GTA. Mais pourquoi pas vous proposer d'autres choses que du GTA de temps en temps. Alors ça va pas être tout le temps, tous les jours, hein, je vous le dis, hein, ça va être vraiment de temps en temps, genre une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 2 semaines ou je sais pas, un truc comme ça, de temps en temps que je vous publie un samedi ou un dimanche ou un mercredi. Une petite vidéo basse, je sais pas, par exemple IRL, ou une vidéo sur un autre jeu, un truc comme ça. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Voilà, comme ça change un peu que de nous voir sur du GTA ou autre. Voilà, comme par exemple, vous avez vu sur la chaîne de la salle, la petite vidéo IRL où je conduis le tracteur, là, le petit tracteur enjoué. Voilà, bah, je vois que la vidéo vous avait pas mal plu, vous avez pas mal rigolé par rapport à cette vidéo, réagi par rapport à cette vidéo. Et du coup, bah, nous avec la team, ça nous fait plaisir bah, de voir que... Bah, que sur d'autres choses on vous fait plaisir, etc. Puis c'est un truc, ça nous motive, on va dire. Voilà. Comme j'ai dit, moi j'ai une autre chaîne qui s'appelle Unmin en vrai. Bon voilà, c'est une chaîne que. Pareil, que j'ai délaissée parce que c'est vrai que. Au début, bah j'aimais bien. C'est-à-dire que ça me faisait rigoler. Voilà, c'était par rapport au cap ou pas cap. Je vous proposais des petites musiques par rapport à la salle. Bah la salle, vous savez, la petite musique ne me quitte pas. Toi et moi la salle, etc. Ça c'est un truc que vous avez, qui vous a pas mal plu, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de vous proposer ça sur ma chaîne Unmin en vrai, de temps en temps bah, vous proposer des petites vidéos comme ça sur ma chaîne Unmin. C'est à dire bah, je sais pas, par exemple vous avez vu il y a longtemps, enfin il y a pas longtemps de ça, j'ai proposé quoi sur ma chaîne, j'ai proposé un petit Instagram contrôle ma vie où je conduisais la Ferrari, etc. Je vous ai mis par exemple une vidéo sur la Paris Games Week. Bah ça par exemple c'est des choses que vous kiffez. Il y a eu des bons retours. Et voilà, c'est des trucs comme ça que j'aimerais faire et mettre sur ma chaîne Unmin. Hein, je parle pas sur ma chaîne Unmin en vrai. Parce que voilà, sur ma chaîne Unmin en vrai, j'ai pas mal réfléchi, j'ai parlé par rapport à la team, etc. Et je sais pas si cette chaîne je vais la continuer. Parce que c'est vrai que... Enfin... Pourquoi la continuer alors que... Enfin, ça me plaît pas. C'est-à-dire que c'est un truc qui me plaît pas. Et je préfère vous proposer ça sur Unmin. Voilà, déjà, on a... Enfin, il y a plus de babouins sur Unmin. Forcément, tous les gens ne sont pas au courant qu'il y a une deuxième chaîne, etc. Et voilà, vous proposez ça sur Unmin de temps en temps. Alors, comme je dis, c'est de temps en temps. Ça va pas être tous les jours, etc. Donc voilà, par rapport à l'article 13, où je pense que maintenant...
tout le monde au courant car tout le monde s'est bougé, youtubeurs, streamers, viewers, la presse, etc. Bah, tout le monde s'est bougé et du coup, je remercie toutes les personnes qui ont signé la pétition parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une pétition. D'ailleurs, je vous invite à aller la signer. Et actuellement, il y en a plus de 3 millions à avoir signé cette pétition. Et de temps en temps, bah, je reçois des messages sur Twitter, etc., sur Snap, etc., des personnes qui signent la pétition. Et je remercie tous ceux qui ont signé cette pétition. Donc voilà, Eden il avait fait une vidéo dessus. Pour ceux qui avaient, bah, voilà, c'était il y a une semaine maintenant. Et voilà, je remercie tous ceux qui ont signé la pétition. On montre qu'on peut se bouger, qu'on peut sauver Internet. Et ça fait plaisir de voir autant de personnes se bouger. Vraiment, merci à tous. Voilà. Bon, concernant l'article 13, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Il y a plein de vidéos dessus. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Bon, attends, je pense que maintenant tout le monde est au courant. Tout le monde en sait un peu plus sur cet article. Et voilà, il y a des vidéos, il y a des articles. En gros, l'article 13, ça va être de la censure. C'est de la censure. Par exemple, je vous donne un exemple. Avant, on pouvait, enfin, on peut, encore maintenant, mais on peut utiliser des musiques. Enfin, je sais pas, par exemple, pour un montage, j'ai envie d'utiliser telle musique qui me plaît. Je me dis, bon, bah, cette musique, elle me va bien. Enfin, je kiffe cette musique, j'ai envie de vous la mettre dans mon montage, par exemple, dans mon montage vidéo. Avant, on avait le droit, par exemple, 30 secondes de musique. On a aussi le droit de mettre des musiques non copyright. Bon, voilà, après, ça, faut les droits, etc. Ou par exemple, nous, vu qu'on est dans un network, bah, on a accès à une bibliothèque de musique. Après, bon, là, on est un peu limité, mais de temps en temps, on a envie, par exemple, je sais pas, d'utiliser des musiques de telle ou telle personne. Et du coup, par rapport à ça, on avait le droit à 30 secondes. Et maintenant, on aura, du coup, par rapport à l'article 13, on aura, du coup, plus le droit d'utiliser ces musiques parce que. Enfin, ces musiques nous appartiennent pas, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas nous qui chantons, c'est pas nos bandes son, etc. Du coup, on n'aura plus le droit d'utiliser ça. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'article 13, moi je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos plus constructives, qui ont fait des débats, etc. que j'ai regardé. Et qui explique bien la chose, il y a eu des articles également, vous avez juste à taper l'article 13 sur YouTube ou sur Google et vous trouverez plein de choses et vous serez vite au courant. En tout cas voilà, pour ceux qui n'ont pas signé encore la pétition, elle se trouve en description, n'hésitez pas à aller la signer. Voilà, j'espère que vous avez déjà signé. N'hésitez pas à signer, ça prend vraiment quelques secondes, c'est très rapide. Vous avez juste à mettre nom, prénom, mail, hop, et c'est signé, c'est vite fait, c'est dans la boîte. Voilà, en tout cas merci à tous ceux qui ont déjà signé et merci à tous ceux qui vont signé. Et du coup voilà, par rapport à ça, par rapport à cet article, etc., par rapport à tout ça, j'ai réfléchi. Et puis même avant, comme je vous ai dit, j'avais réfléchi par rapport à ma chaîne. Et c'est vrai que de temps en temps, voilà, je le répète encore une fois, bon, je le répète 1000 fois, vous proposez des petites vidéos IRL. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Donc là par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner une petite vidéo avec des abonnés. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram et sur Snapchat, j'ai demandé à ceux qui habitaient à Nancy, et, enfin en gros en Lorraine, si t'es intéressé pour participer à ma vidéo. Il y a eu pas mal de personnes d'ailleurs, vidéo qui était, enfin hier il y avait des, enfin hier les babans sont venus, j'ai fait un peu le brief avec eux, etc. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et voilà, une petite vidéo IRL qui arrive. Et c'est vrai que voilà, de temps en temps j'aimerais vous proposer des petites vidéos IRL sur tel ou tel sujet. Donc par exemple là sur la chaîne de la salle, on vous a proposé une vidéo IRL enfin c'est une petite vidéo humoristique, on rigole, etc. entre nous. Un Instagram contrôle ma vie, vous avez vu, ça c'est un truc qui vous a plu. Pourquoi pas d'autres choses, pourquoi pas aussi d'autres jeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. par rapport à tout ça, me dire si ça vous, enfin si vous aimez bien, si ça vous intéresse, si on devrait faire d'autres choses que du GTA. Voilà, maintenant on a fait du GTA RP, bon, ça reste du GTA en soi, mais voilà, on a ouvert notre serveur RP pour ceux qui sont pas au courant, on a ouvert notre serveur RP. D'ailleurs, si vous voulez aussi également participer à nos vidéos RP et passer la candidature, j'en profite pour en parler dans cette vidéo. Je vous mets le lien du Discord juste en bas pour ceux qui veulent être recrutés. Il y a encore des places, etc. Il y a déjà pas mal de personnes. Bon, c'est vrai que malheureusement sur GTA RP, on est bloqué à 32 slots. Du coup, on peut pas avoir 1 million de personnes, on va dire. On peut pas avoir plein de personnes. En tout cas, voilà, je vous invite. Si vous êtes intéressé par rapport à GTA RP, si vous voulez faire des vidéos avec nous, si vous avez un personnage, voilà, on a plein de personnages. Vous avez vu nos vidéos RP, vous avez vu sur la chaîne de la salle, vous avez vu sur la chaîne de Hayden ou sur ma chaîne. Alors moi je suis policier. Bon, c'est vrai, là vous dites ouais, une policier, c'est pas le meilleur des policiers entre guillemets. Mais
Je sais régner la loi, voilà, je sais faire les choses, je sais, je suis un bon policier, vous inquiétez pas, je suis commandant, je gère bien la police. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à proposer vos personnages, on a pas mal de personnages, on a eu les gilets jaunes, bon, je pense que vous avez vu la vidéo ce matin, d'ailleurs, si vous avez pas vu, bah, je vais peut-être la voir également. Voilà, en tout cas, j'espère que les petites vidéos chez TRP vous plaisent, j'espère qu'on essaie de vous proposer pas mal de choses en ce moment, voilà, que ça veut du GTA normal, du GTA RP. Et voilà, on essaie de se diversifier, c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi se diversifier dans d'autres choses. Et puis voilà, de temps en temps vous proposer des petites vidéos IRL. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on vous a proposé, ça vous plaît. Je vois pas l'inconvénient, moi, de ma part. Pour ma part, moi, je vois pas. On a testé, on vous a proposé de temps en temps des petites autres choses que du GTA. Ça vous a plu. Voilà. Donc pourquoi pas vous proposer d'autres choses. On peut le voir également sur la chaîne de la salle Multigaming. Du FIFA, du Spider-Man, etc. C'est des choses pareilles qui vous ont plu. Et voilà. Ah bah attendez, il y a Eden qui m'appelle. Bonsoir Eden, vous m'entendez? Ouais, bah écoute, je suis en pleine vidéo sur l'article 13 et l'avenir de ma chaîne. Et du coup, je disais aux abonnés que j'aimerais, enfin qu'on aimerait de temps en temps vous proposer bah, leur proposer du coup d'autres choses que GTA. Voilà, donc par exemple, on a proposé du GTA RP, donc ça reste du GTA, mais de temps en temps des petites vidéos IRL. Donc par exemple, Eden, voilà, je vous spoil pas, mais il aimerait faire des vidéos avec son frère, etc. Ben, il en a déjà fait en soi, t'en as déjà fait en soi. J'en ai déjà fait, ouais. Ça a plu aux gens en plus. Voilà, ça vous a plu, c'est une série qu'il a fait sur Los Angeles qui vous a plu. Voilà, c'est des trucs qui vous plaisent, donc voilà, on aimerait vous proposer d'autres choses que du GTA, etc. Bah, du coup, Eden, je te rappelle, je suis en pleine vidéo. Est-ce que Ouais. l'article 13, c'est de la grosse merde. Effectivement, voilà, c'est de la merde, donc merci à tous ceux qui ont signé la pétition. Voilà, il a raccroché. En tout cas, voilà, je vais pas m'attarder 30 ans non plus. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à signer la pétition, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt.